Nous avons créé Doséo pour regrouper toutes les activités que nous avons en radiothérapie, que ce soit en métrologie, en recherche et développement et en formation, avec une volonté d'ouverture vers le monde extérieur, vers nos partenaires académiques, cliniques et industriels. Doséo devient ainsi un lieu unique de regroupement de ces compétences. L'offre de Doséo s'articule autour de quatre grands thèmes. On retrouve la métrologie avec l'expertise du laboratoire national Henri Becquerel, la formation avec l'appui de l'UNSTN, les activités de recherche et développement et la mise à disposition des équipements lourds de la plateforme pour répondre aux besoins exprimés. Pour la formation, l'accès unique aux équipements et aux outils de la plateforme nous permet aujourd'hui de développer et de mettre en œuvre de nouvelles formations pour les professionnels. Nous faisons également sur Doséo de la formation initiale, puisque depuis la rentrée de 2014, la rentrée universitaire, une partie de la formation des étudiants de physique médicale se fait également sur Doséo. Alors sur la plateforme Doséo, on développe les références dosimétriques françaises, notamment pour la radiothérapie. Ces références sont ensuite transférées aux utilisateurs via l'étalonnage des chambres d'ionisation utilisées dans les services de radiothérapie. Les techniques de radiothérapie étant en constante évolution, notre mission est de développer de nouvelles références métrologiques adaptées, par exemple à la dosimétrie en petits faisceaux. Sur la partie recherche et développement en Doséo, nous travaillons sur des projets en collaboration avec des acteurs du domaine de la physique médicale, qu'ils soient industriels ou académiques, des centres cliniques et des industriels. Et nous développons des projets pour améliorer le contrôle qualité des traitements en radiothérapie sur deux thématiques qui sont nos cœurs de métier, qui sont la modélisation d'un côté, l'interaction rayonnement-matière et le développement d'instrumentation associée à cette physique médicale. Cibio, à l'origine, est un bureau de contrôle agréé dans le domaine des rayonnements ionisants à usage médical. On souhaitait améliorer les techniques de contrôle dosimétrique des installations de radiothérapie. On avait pour cela de multiples besoins pour lancer notre programme de recherche et développement, c'est-à-dire un apport en expertise, accéder à des équipements lourds et puis également être hébergé si possible à proximité de ces équipements lourds pour plus d'efficacité. Et ces besoins, Doséo y répondait parfaitement, c'est pourquoi nous sommes implantés à Doséo. Les activités de Doséo se positionnent en amont de la clinique et pour pouvoir répondre aux besoins véritables de la clinique, nous avons un comité des programmes constitué de physiciens médicaux, de radiothérapeutes, d'acteurs du monde réglementaire qui nous permettent d'avoir les experts du domaine et de répondre parfaitement aux besoins.